Bon mercredi à vous. Ici Joe Lorgis. Donc aujourd'hui, c'est pas sur la groove, mais c'est sur l'importance d'apprendre à lire la musique pour tous les musiciens. Donc samedi passé, j'ai eu une gig à Ottawa et j'étais toute préparée. Et en arrivant au soundcheck, on me dit: Joe, on va accompagner un chanteur sur une chanson qui s'appelle Evergreen de Paul Williams et Barbara Streisand. J'arrive jamais à le dire comme il faut. Je me suis dit, OK, pas de problème. Donc, c'était pas la première fois que ça m'arrivait dans ma vie. Donc, c'est cool. Donc, on m'a envoyé la partition par email. Là, j'étais capable de le mettre sur ma petite tablette. Oui, je suis un gars Samsung, pas d'iPad, Samsung, OK? Donc, là, j'aimerais juste partager avec vous tout ce qui se passait à l'intérieur de moi ou à l'intérieur de ma tête lorsque j'étais en train d'analyser la partition avant de commencer de jouer. À jouer. Donc, vu que c'est le pianiste qui m'a dit d'accompagner, OK? En passant, le chanteur est extraordinaire, vous allez le voir, il est malade. Excellente technique. Je me suis dit, bon, le pianiste, il connaît la chanson sûrement. Donc, je vais le laisser commencer la chanson et, comme vous allez le voir, laisse le pianiste établir l'atmosphère. J'ai laissé le pianiste établir l'atmosphère et je cherchais encore pour des petites informations qui allaient me permettre de savoir quel genre de musique qu'on va faire, c'est quoi. Donc, vous allez voir que j'ai surligné Slow Bossa Nova. Donc, déjà là, je me suis dit Slow Bossa Nova, parfait. Je me mets déjà dans une vibe de Bossa Nova. Parfait, puis pas de danser. ouais. En même temps, ouais, je dansais un peu dans ma tête, là. OK, cool. Donc, quand je joue de la bossa, j'aime ça jouer d'une manière différente, soit avec mon pouce ou avec mon index, pour aller chercher un son plus smooth, un peu étouffé, mais vraiment cool. Vous allez voir tantôt. Par la suite, je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut que j'embarque. Il faut que la basse rentre dans la chanson. Donc, je me suis dit que ça allait être un bon endroit de rentrer dans la deuxième section de la chanson qui est le B. Donc, je me suis marqué basse. Parfait. Par la suite, j'ai cherché d'autres endroits où est-ce qu'il y avait des trucs qui allaient m'indiquer une certaine direction. Et par la suite, j'ai vu un petit bec de canard qui part en... Ça part comme ça. Le petit bec de canard, il fait comme ça. Puis là, ça ouvre. Donc, ça veut dire que tu dois monter l'intensité. Oui, un petit bec de canard. Oui. Parfait. Maintenant, on change de page. Par la suite, on voit dans la section 4 où est-ce que, à la fin du système, il y a un punch sur le premier temps et un punch sur le quatrième temps. Donc, je l'ai marqué et je l'ai surligné. Parfait. Et au deuxième système, à la fin de la dernière mesure, le petit bec de canard qui était comme ça, mais à cette heure, il fait ça comme ça. Donc, ça veut dire qu'on baisse d'intensité. Je l'ai marqué. Parfait. Une fois que ça s'est fait, il restait juste le dernier système. J'ai vu Ré bémol. Ré sur Ré bémol. Mi bémol sur Ré bémol. Mi sur Ré bémol. Donc, il y a beaucoup de Ré bémol. Pour ça, à la fin, c'est Ré bémol majeur 7. Donc, j'ai tout simplement surligné et j'ai marqué pédale de Ré bémol. Juste pour ne pas faire le saut. Parce que, tu sais, des fois, là, moi, je ne suis pas un gars très jazz. Tu sais, je ne suis pas jazz. Mais des fois, j'entends des affaires. Puis, je suis comme, ouh, je ne veux pas faire le saut. Donc, pour ne pas faire le saut, OK, je me suis dit, je vais marquer ma pédale comme ça. Si j'entends des affaires très jazzy, ah, Joe, fais pas le saut. C'est juste bien correct. Ça fait partie de la chanson. OK? Donc, maintenant, je vous laisse avec l'écoute de Evergreen performée samedi dernier. Et je vous souhaite une bonne écoute.